pas quelqu'un. Mais c'est lui qui veut être délivré de la sorcellerie. Il vient et parle. Donc ceux qui veulent être délivrés de la sorcellerie, venez devant. Comme ça, je vais vous écouter. Et... Ok. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Yao An. Hein? Je m'appelle Yao An. Yao An. Oui, papa. Tu es là avec qui? Je suis venu avec ma maman. Donc j'appelle ta maman ici. Que ta maman vienne. Ça va? Vous êtes là pour quoi? Vous êtes à Divo pour quoi? Je suis à Divo pour faire délivrer ma fille de la sorcellerie. Hein? Je dis, je suis à Divo pour faire délivrer ma fille de la sorcellerie. Comment ça? Parce qu'elle dit qu'elle est sorcière. Elle dit qu'elle est sorcière? Oui, papa. Tu crois pas? Je crois. Raison pour laquelle je suis là. Mais comme tu dis, elle dit que. Bon, est-ce que c'est nous qui t'avons envoyé à Divo? Non, papa. Est-ce que moi je te connais? Non, papa. Vous pouvez me connaître hein, parce que je suis en public. Je me vois le prophète Kassou au travers des réseaux sociaux. Mais est-ce que je te connais? Non, papa. Non. Vous voulez être délivré de la sorcellerie? Oui, papa. Ben, je vais l'écouter parce que moi, c'est ma conseil de travail. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Anne. Ok. Qu'est-ce que tu as? Je suis sorcière. Comment? J'ai été initiée par la servante de ma tante. Pardon? J'ai été initiée par la servante de ma tante. J'ai été initiée par la servante de ta grande sœur? Non, de la grande sœur de ma maman. De sa tante. Ok, j'ai été initiée par la servante de ta tante? Oui. Ok, on y va. Elle m'a donné la nourriture et j'ai mangé. Elle t'a donné la nourriture, tu as mangé. Oui, papa. On y va. C'est ainsi que j'ai été initiée. Et je me suis retrouvée avec elle dans un lieu. Et elle m'a dit que ce qu'elle m'a donné, c'était pas la nourriture, que c'était la chair humaine, que je dois lui rembourser. Et j'ai pris le gonfle de ma maman pour lui donner. Je n'ai pas saisi cette partie-là. Je n'ai pas saisi cette partie. Tu as dit quoi? J'ai dit, lorsqu'elle m'a donné la nourriture, j'ai mangé et je me suis retrouvée dans un lieu avec elle. Elle m'a envoyé dans son camp. Et elle m'a dit que la nourriture que je t'ai donnée là, c'est pas de la nourriture, c'est de la chair humaine. C'est la chair humaine. Que de lui rembourser cette chair qu'elle m'a donnée là. C'est bien. Et tu as remboursé? Oui, papa. En quoi faisant? J'ai donné le gonfle de ma maman. Hein? Elle dit qu'elle a donné le grand frère. Elle a donné moi mon grand frère. Comment? Parle. Je me suis transformée en hibou. Et je suis arrivée devant sa porte. Quand je suis arrivée devant sa porte, je me suis transformée en mille pattes. C'est ainsi que je suis rentrée dans sa maison. Et quand je suis rentrée, j'ai soufflé une poudre. Quand j'ai soufflé la poudre, je l'ai appelé par son nom trois fois. Et son âme s'est liée. Et je l'ai transformé en cheval. Et puis je suis montée sur lui. On est parti. Et puis j'ai pris un couteau rouge pour le poignet. Également? Oui, papa. Hein? Oui, papa.
En quelle année? Papa, c'était en 2014. Ok. On y va. Et je l'ai poignardé, il est mort. Et quand elle m'a dit de rembourser, je l'ai remboursé. Maintenant, la marade de ma tante a commencé à m'envoyer. Elle a commencé à me dire de détruire la vie de ma tante, celle qui m'a élevée. Et j'ai commencé à tout bloquer dans sa vie. Elle dit, moi, ma marade là, ma marade, quand elle a tué mon grand frère, fini, c'est ainsi que ma marade a commencé à l'envoyer. Ma marade est sorcière, a commencé à l'envoyer elle. La femme de ton père? Oui. Je préfère ça que marade. La deuxième femme de mon papa. Oui, je préfère. D'accord, papa, je t'écoute. Marade, ça, c'est trop négatif. Et elle m'a envoyé. Elle m'a donné une poudre quand ma tante prépare de mettre dans la nourriture, d'envoûter la nourriture, de lui lancer des flèches. Et je faisais. Quand elle me dit de faire, je fais. Et puis, tout ce qu'elle me dit, je fais. Et quand ma tante s'est mariée, elle m'a dit que je ne dois pas laisser ma tante faire d'enfant. Donc, quand ma tante prend ventre, je gâte la grossesse. Quand elle prend ventre, je gâte la grossesse. J'ai gâté aussi l'argent de ma tante. Tu as tué combien de personnes? J'ai tué 19 personnes. Mido. 19. Et tu as gardé qui est qui? J'ai gardé ma tante. Eux aussi. Elle est où? Ouais, elle est restée là-bas. Je l'ai appelée aujourd'hui. Qu'elle n'a qu'à venir. Donc demain, elle sera là. D'accord. Tu as gardé qui encore? Eux aussi, j'ai gâté la vie de ma maman. Hein? Elle dit, elle a gâté moi ma vie, sa maman. Elle a gâté ma vie. Mm-hmm. J'ai mis une boule dans son ventre. Et aussi, je l'empêche de se marier. Tu l'empêches de se marier? Oui, papa. Tu as mis une boule dans son ventre? Oui, papa. Comment ça? Comment ça? Moi, j'aime bien les détails, mais qu'on l'explique. Hein. Comment tu as pu mettre la boule dans le ventre de ta mère? Ça, c'est important pour nous. J'ai pris la boule et j'ai fait des incantations et j'ai mis dans son ventre. En quel moment tu as fait ça? Tu as arrivé à faire ça? Ça fait longtemps. Elle dormait pendant quelques heures. Elle dormait. Elle dormait et tu as transformé la boule pour mettre ça dans son ventre. En fait, tu as mis ça dans son ventre. Oui, papa. C'était pour quoi? C'était pour qu'elle ne puisse pas faire d'enfant. Tu ne veux pas qu'elle fasse des enfants? Oui, papa. Et tu n'arrives pas à faire des enfants? Oui, papa. Elle, c'est pas quelle fille? C'est ma seule fille. Et donc, tu ne veux pas que ta maman fasse des enfants? Hein? Je te demande. Je veux qu'elle fasse des enfants.
Non, mais puisque la bonne femme te dit tout à l'heure que tu as dit qu'elle ne veut pas faire des enfants. C'est la même question que je te réponds. C'est la même chose que je t'ai demandé. Donc tu ne veux pas qu'elle fasse des enfants. Et c'est la raison pour laquelle tu as mis la boule dans son ventre. C'est ça? Oui, papa. Mais pourquoi? Pourquoi elle, tu ne veux pas qu'elle fasse des enfants? Je veux savoir la raison. Parce que je veux rester ici. C'est terrible quand même. Tu veux rester seul, tu apportes quoi? Attends. Et tu as gâté quoi encore? Qu'est-ce que tu as gâté d'autre dans la vie de ta maman? J'ai gâté son bonheur. Ça veut dire quoi? Tout ce qui peut la rendre heureuse, je gâte. Comment tu fais pour gâter ça? Comment tu t'arranges pour les gâter? Lorsqu'elle dort, je fais des incantations. Hein? Je dis, lorsqu'elle dort, je fais des incantations. La nuit est faite pour dormir, t'as dit d'abord. La nuit est faite pour dormir, donc toi tu vas pas. C'est à quel moment de la nuit tu fais des incantations? C'est au milieu de la nuit, quand je me réveille. Si, lorsque je vais aller, je veux partir, c'est ça que je fais. Hein? Quand je veux partir, c'est ça que je fais. Comment on appelle les sorciers chez vous là-bas? Je vais les montrer en chinois, c'est quoi? Wuxi. Wuxi, donc tu as Wuxi. Tu es Wuxi. Non. Ok. Donc tu as gâté son bonheur, tu as gâté la vie de qui encore? C'est elle avait ma tante. Tu n'arrives pas à féconder, c'est ça? Oui, papa. Mets-toi devant moi aussi, je vais prier. Et parle de Dieu va transformer ta vie, d'accord? Je prie que la puissance de Jésus se manifeste dans ta vie. Ok, je suis en train de voir, pendant que je prie pour elle, l'Esprit de Dieu m'ouvre les yeux. Je suis en train de voir que ta maman même, là, tu as pris son âme, tout ce qui est chance, et son âme, tu as mis ça dans une coquille d'escargot et tu l'as mis entre les bananiers. C'est pas ça? Il va voir. Je prie que la puissance de Jésus-Christ, je prie que la main puissance de Jésus, que cette main puissante de Jésus, que cette main puissante, je brise cette chaîne de la captivité sur ta vie. Je brise cette chaîne. Je brise cette chaîne. Reçois ton miracle. Reçois ta délivrance. Je te libère. Je commande la puissance. Les ténèbres, le libre-libre, la puissance de Dieu, que 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 libère ta mère, que libère ta mère, que libère ta prospérité, que libère ta mère, la puissance de ton bonheur, que libère le pouvoir de tes ténèbres, et je libère ta vie. Reçois le plan de délivrance de toi par la puissance qui est
Dieu a décidé de te libérer. Reçois ton miracle. Reçois la puissance de Dieu. Tu te libères. Dieu te libère. Touchez-la, elle est déclarée libérée au nom de Jésus. Je vais laisser la sorcellerie. Vous savez qu'il y a des choses que tu n'as pas osé dire. Comment tu tues les gens? Quand j'arrive dans la chambre, quand je souffle la poudre, je prends un couteau pour les poignarder. Oui, mais je reçois comme sur ton sein gauche, c'est comme un revolver, un pistolet, ton sein gauche. Je reçois un message comme sur ton sein gauche. Le sein gauche, c'est comme un revolver. Pendant que tu as face de ta victime, ton sein gauche, c'est comme un revolver que tu utilises pour tuer les gens. Oui, papa, j'utilise ça aussi pour tuer les gens. Touche ton sein gauche, touche ton sein gauche. Touche ton sein gauche. Pendant que ma main est sur ta poitrine, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu, ce démon, cet esprit qui t'anime, la puissance, je détruis le pouvoir de la sorcellerie dans ton corps. Tu libères la vie, libérer sa vie au nom de Jésus-Christ. Et ce revolver, ce fusil mystique, depuis sa poitrine et dans son sein gauche, est détruit. Reçois la puissance de Dieu. Démon de la sorcellerie dans son corps, pars. C'est un ordre. Tu pars et maintenant, tu pars. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Laissez-la. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Je commande au nom puissant de Jésus. Et pendant que je prie pour elle, pendant qu'elle est là à terre, je la vois comme un mille-pattes mystique. Il y a mille pattes, et puis je vois comme araignée poilue. Voilà, je vois comme araignée poilue. Elle a tout ce pouvoir en elle. Mais la puissance de Dieu vient jusqu'à te libérer. La puissance de Dieu, la puissance de Jésus-Christ te libère. La puissance de mon Dieu te libère. Je détruis ce pouvoir. Lâche-la. Et ce pouvoir qu'elle a comme l'araignée mystique, elle a la capacité de donner des maladies aux gens. Elle donne des maladies aux gens. Elle donne des cancers. Il y a des choses qu'elle n'a pas dit que le Seigneur me fait voir. Elle donne des cancers aux gens. Elle donne des sida aux gens. Elle a une sorcellerie grave et terrible, cette fillette. La puissance de Dieu. Lâche-la. Voilà, lâche-la. Voilà, lâche-la. Lâche-la. Allez, lâche-la. C'est un ordre. Libère-la. 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 Le Saint-Esprit te libère. Le Saint-Esprit te libère. Au nom de Jésus de Nazareth. Reçois la plénitude et la puissance du Saint-Esprit. Reçois la délivrance par la puissance qui est dans le nom de Jésus. Reçois. Reçois. Sors d'elle.
comme dead. Certains now. Certains. Libéla. Libéla. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. La puissance de Dieu se manifeste. La puissance et la présence, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance de Jésus, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu. Reçois le miracle. Reçois le miracle, la délivrance. Reçois le miracle et la délivrance dans le nom de Jésus. Reçois. Reçois. Mets la main sur ta tête, le pasteur. Mets sa main, mets ta main sur sa tête. Voilà. Je communique la force, la puissance du Saint-Esprit. Et reçois ta délivrance. Je te déclare libéré au nom de Jésus. Amen. Amen. La main ici. Ça va? Ça va? Il t'arrive à te transformer comme on appelle, en mille pattes, mais aussi en comme on appelle, araignée, poilu, c'est ça? Et tu donnes la maladie aux gens, cancer, tu donnes le sida, tu donnes tout ça aux gens. Oui, papa. Mais pourquoi tu n'as pas dit ça pendant la prière? Tu n'as pas dit tout ça? Hein? Pourquoi tu n'as pas dit tout ça? C'est resté. Allez, tu as libéré au nom de Jésus. Amen. Amen. Allez, tu as libéré. Va-t'en. Et la personne est contrôlée par un esprit. Et quand quelqu'un a un esprit de sorcellerie, évidemment, la personne est sous le contrôle du mensonge. Donc, il y a des choses que le diable ne va pas vouloir lâcher. C'est pour ça que Dieu, par moment, nous montre les choses cachées. Voilà, les choses cachées, les choses qu'il cache. Dieu nous montre ça. Amen. Amen.